Sophie et j'ai bientôt 13 ans. Le soir je vis sur l'ordi en cachette de mes parents. J'y rejoins mon petit copain virtuel. Il s'appelle Jean-Patrick et il habite à La Rochelle. On s'entend super bien, on discute toute la nuit. Il dit qu'il pense à moi en touchant sa souris. La 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 plus petit que trois. La 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 on s'aime et c'est comme ça. Je m'appelle Jean-Patrick et j'ai 48 ans. J'habite à La Rochelle dans le grenier de ma maman. Le soir pour lutter contre mes problèmes d'insomnie, je traîne sur des sites. Mes désirs d'évasion. La 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 on s'aime et c'est comme ça. J'ai annoncé la bonne nouvelle à maman et j'ai aussi acheté 15 boîtes de lubrifiant. Elle sera bien chez nous dans sa petite cage et j'ai déjà prévu le matos de bandage. Je lui ai demandé quel était son fruit préféré et dès demain je fais le stock de capotes parfumées. La 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 mon papa c'est toujours ça. La 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 maman a jamais le petit doigt. Ça y est c'est le grand jour, j'ai fugué de la maison et je fonce à la gare pour rejoindre mon compagnon. Je l'attends sur le quai avec quelques amis. Il y a l'abbé Meunier, Guy Georges et Émile Louis. Ce soir dans ses bras, j'oublierai tous mes problèmes. On se tiendra la main, on se dira des je t'aime. J'ai déjà l'habitude de m'occuper des gamins. Y a eu les enfants de mon ex-femme et les filles des voisins. Et j'ai bientôt 26 ans. Et mon petit copain m'a fait plusieurs enfants. Je n'avais pas pensé à tous les avantages de les garder chez soi pour en faire de l'élevage. La 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 la. Bon, ça va. Bon, voilà, nickel, merci.